Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le ciel européen bloqué par un énorme nuage de cendres. Il émane d'un volcan islandais. L'Europe du Nord, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique ont totalement fermé leur espace aérien. Et ce sera le cas aussi ce soir à Roissy et dans la moitié nord de la France. Attention si vous devez voyager. Images, prévisions, explications dans un instant. The recent crisis caused by the eruption of the Eyjafjallajökull volcano in Iceland has made the general public aware of the catastrophic consequences of major volcanic eruptions on human health, the economy, and daily life. It is only recently that scientists have been considering the environmental impacts of lower intensity eruptions or the permanent degassing of basaltic volcanoes. The plumes of these volcanoes, which are more frequent and generally located in the lower atmosphere, considerably increase the risks of interaction with man and natural ecosystems. To better monitor volcanic risks, the Magma and Volcano Laboratory in Clermont-Ferrand has become one of the operational centers for satellite observation of volcanic plumes around the world. C'est un web service qui s'appelle Hotvolc, qui existe depuis 2010, qui a été en fait initié suite à la crise islandaise dont tout le monde se souvient, le volcan Eyjafjallajökull en avril-mai 2010. Et l'objet de ce web service, c'est de visualiser par satellite, en utilisant le satellite Meteosat, qui est un satellite géostationnaire, qui nous permet d'avoir des informations en quasi-temps réel. On monitore environ 50 cibles volcaniques sur le globe, et elles sont diffusées à nos partenaires observatoires, aussi en temps réel, comme à l'OVPF, hein, au Piton de la Fournaise à La Réunion. In April 2007, a major eruptive episode struck Réunion Island. Lava flows reached values rarely observed, with more than 100 cubic meters per second. The flow of magma into the sea generated an enormous plume, visible as far away as Mauritius, more than 170 kilometers away. The consequences for the population were significant, and the whole of Réunion Island was affected by pollution episodes. At the Atmosphere and Cyclones Laboratory at the University of Réunion Island, scientists have sought to reproduce this major event by modeling lava flows, gaseous emissions, and the redistribution of pollution on Réunion Island. These early studies highlighted the need for specific observations to improve computer models and better understand volcanic plumes. An international team of scientists therefore set up an ambitious multidisciplinary research project called STRAP. In 2015, the numerous eruptions of the Piton de la Fournaise enabled STRAP scientists to carry out field measurements near eruptive flows and across Réunion Island. From the very first magma flows, the eruptive site was the scene of intense scientific activity. Donc là, on a à la fois le panache et les projections du cône qui reste un peu. Vous voyez, une projection, hop, projection à 800 degrés et le panache à peu près à 400 degrés. Andrea Di Muro, a researcher at the observatory, is trying to estimate gas levels very close to the eruptive mouth using a gas analyzer. The measurement is delicate given the unstable nature of the eruption. L'observatoire a deux types de stations multigaz, des stations fixes et des stations portables. Les stations fixes sont installées au sommet du volcan et surveillent les fumarolles dans le Dolomieu. Tandis que la station portable permet de s'approcher au plus près. Donc une fois qu'on est dans un secteur dans lequel les gaz émis à la bouche se propagent, on installe le capteur pendant un certain temps. Typiquement, les comptages vont durer entre une demi-heure et deux heures.
Nous effectuons ces mesures depuis le début de l'éruption et cela permet de voir si l'éruption est en train de sortir des magmas qui ont tout le temps la même composition, qui arrivent tout le temps dans la même profondeur, ou bien s'il y a des réalimentations. Par exemple, dans ce cas, on pouvait s'attendre à des augmentations des quantités de dioxyde de carbone et c'est ça que nous essayons maintenant de capter par notre instrument. Maintenant, on fait des estimations en temps réel qui sont bien sûr approximatives, mais donnent déjà une idée. On normalise le spectre en atmosphère propre par rapport au spectre mesuré sous le panache. Cela permet tout de suite d'avoir une estimation de l'épaisseur optique, de la taille du panache, de sa concentration moyenne. Le calcul est en train de se terminer. La manip a été fructueuse, donc nous avons réussi à traverser deux fois le panache de la rue de Sens. Et de cette façon, nous pouvons avoir une estimation assez fine des débits d'oxyde de soufre et donc de la quantité de lave qu'aujourd'hui est en train de s'écouler à partir d'un tunnel qui s'est ouvert à la base du cratère. Scientists at the Volcano Observatory take daily samples of liquid lava when weather conditions permit. These samples are then frozen in water and sent to the LMV in Clermont-Ferrand for microscopic analysis. This will make it possible to characterize the chemical composition of the gases emitted by the magma. Around the main crater of the Piton de la Fournaise, automatic measurements of sulfur dioxide are carried out by passive remote sensing to estimate the quantities emitted and the thickness of the plumes. Nous sommes sur une des stations d'OAS de l'Observatoire volcanologique. La station d'OAS est celle derrière mon dos. Elle est composée d'un spectromètre qui est branché sur un télescope. Le télescope a une tête tournante qui permet de scanner l'atmosphère au-dessus du volcan. Nous avons plusieurs stations permanentes tout autour du volcan. Cela permet d'effectuer des scans avec des angles différents du panache gazeux. Par triangulation, on peut avoir plusieurs informations, l'auteur du panache, la direction de dispersion et surtout combien de tonnes de dioxyde de soufre sont émises par jour. On voit un panache de gaz volcanique qui sont émis au niveau de l'évent et les aliser, le disperse à l'échelle régionale. At the same time, LACI atmospheric physicists are analyzing the acidity of rainfall resulting from the mixture of sulfuric acid formed by the plume and cloud precipitation. Tiens, tu vois, la station, elle est juste là derrière là. Ouais. Et ça dégaze beaucoup encore, hein, tu vois. Ah, oui. S'il pleut avec ce type de conditions météorologiques, on doit vraiment avoir beaucoup d'acidité sur le pluviomètre de la station. Bon, on y va ? Allez. En fait, il n'y a pas eu tant d'eau que ça. Ah, mais ça va suffire largement. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre ? Bon, on va d'abord prélever ces échantillons d'eau. On va mesurer localement le pH et la conductivité. On prend tout, hein. D'accord, on prend tout. On va voir si on a une acidité plus importante que la dernière fois. On avait quand même atteint pratiquement 2,9, ce qui est très acide. Bon, on est plus acide que la dernière fois encore. Ouais. Là, on est à 2,86, mais ça continue à descendre. Hein. 2,82, je pense que c'est à peu près la valeur stabilisée. Je pense que c'est bon, les autres analyses se feront en laboratoire. Hein. Oui. Back on the premises of the Volcano Observatory, Andrea checks the quality of the field measurements. Et voilà. Donc on voit bien effectivement que les données que nous avons acquises à côté de la bouche sont de bonne qualité. Les concentrations sont assez élevées. Cela nous permettra d'avoir une idée précise des proportions entre les différents composants qu'il y a dans ce panache. On voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution dans le temps.
ça reste toujours des magmas relativement de basse pression, relativement pauvres en dioxyde de carbone. Ces éruptions si importantes sont tombées vraiment au bon moment, au tout début du projet. Et ainsi, pendant la suite du projet, on aura le temps maintenant de travailler sur une grande masse de données qui a été acquise déjà en 2015. More than 40 kilometers from the eruption, West Reunion Island is home to the MIDO Observatory, entirely dedicated to atmospheric measurements. Such a facility is unique in the tropics of the Southern Hemisphere. Alors avec l'observatoire volcanologique, nous sommes ici au cœur du dispositif d'observation. Nous sommes ici à l'observatoire du MIDO, sur la terrasse d'observation des prélèvements des gaz et des aérosols. Nous avons un panel d'instrumentation qui nous permet d'observer très précisément à la fois la plupart des gaz atmosphériques émis, mais aussi les compositions chimiques et dimensionnelles des aérosols. Très salut Jean-Marc. Pierre. Alors on est à combien là ? On est à 17 000 particules. Waouh, c'est beaucoup. Ouais. Et cette nuit, c'est monté à combien ? J'ai regardé tout à l'heure, 50 000 particules. Oui, on devait être dans le panache, je pense, hein, à mon avis. On a quand même des particules assez petites, peut-être le mode de nucléation qu'on peut voir ici. The mission of the Reunion Island Air Observatory, now called ATMO Reunion, is to monitor air quality across Reunion Island. This agency is particularly attentive to volcanic pollution. It is in this context that they have joined the STRAP program. Balloon measurements are also regularly carried out to measure vertical profiles of the chemical composition of the air. Okay. Good. Very close to the observatory, on the coast, other researchers are equipping a microlight aircraft which will be responsible, when the weather allows, for analysing SO2 levels and aerosol concentrations directly in the plume. C'est bon, je les ai. Voilà. On allume l'analyseur de SO2 maintenant. The measuring devices will take the place of the passenger. Ouais, on fera reset. The flight plan of the small aircraft will be determined in advance using a digital plume dispersion model. India Mike aligné 23 en décolle. Bon, ben voilà, on vient de décoller de la base de Cambrai pour un parcours d'analyse et on va commencer par se diriger sur Silos. Alors là, je rentre donc dans Silaos. J'aperçois une grosse concentration de soufre sur le tampon. Je me rapproche de la concentration. Il y a Mike 8005 en évolution, la pleine descente. Je suis dans la concentration. Je viens de survoler carrément le cratère et je vais me mettre sur la route du retour. Là, je repasse la plaine des Cafres sur la route du retour et je vais me diriger sur la forêt de Bellouve. Il y a pas mal de concentration sur ce secteur-là. Every morning, the campaign briefing is held at the University of Reunion Island. It is there that the measurements of the previous day are analyzed and where the paths of the next day's microlight flight and the deployment sites of the mobile instruments will be decided.
Hier, le vol ULM a volé et a décollé à 8h30. Donc on voit ici le plan de vol. C'est un joli vol. On a observé en fait des valeurs de SO2 allant jusqu'à 900 ppb dans la région de la rivière des Remparts. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu alors pour demain? Ici, vous avez une animation entre 10h et 15h pour demain matin, heure locale, de la dispersion du panache volcanique. Donc on voit que le panache change d'orientation parce qu'il avait tendance à partir plus vers le sud hier. Et demain, en fait, il va partir beaucoup plus vers l'ouest. Concernant le LIDAR, il était dans la région de Grand Coude. Donc Valentin, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Ça a plutôt bien fonctionné et ce qu'on compte faire, c'est demain l'amener du côté de la rivière des Remparts, Langevin, pour rester près de la bouche éruptive et essayer de bien choper le panache dans cette région. Scientists travel the island's steep roads with their mobile LIDAR to find the best plume observation site. Apparemment, il partirait sud-est. Hein. Donc après, je suis pas sûr et certain de la trajectoire est-ouest. À nous de voir. Un LIDAR, c'est composé d'un laser et d'un télescope. Le laser envoie des pulses lumineuses verticalement dans l'atmosphère, et le télescope qui lui est adjacent récupère les photons qui sont réfléchis par les molécules et les particules de l'air. L'intérêt de pouvoir le déplacer, c'est justement dans le cas qui nous intéresse ici, c'est que le panache volcanique ne va pas nécessairement passer au-dessus des lidars qui sont fixes. Le fait de pouvoir le mettre sur un pick-up comme on a fait aujourd'hui, ça nous permet de chasser le panache. Alors ça va nous permettre d'avoir des informations sur la localisation verticale du panache, c'est-à-dire de déterminer à quelle altitude il se promène, et pouvoir également déterminer les propriétés optiques et physiques des aérosols, ce qui compose ce panache. Les problématiques scientifiques sont l'origine du panache, la manière dont il va se disperser dans l'atmosphère, et quelles vont être les retombées environnementales de ces panaches volcaniques sur la société et sur l'environnement. Avant, il tombe toujours, il n'y a plus de problème de température. Voilà, c'est bon, alors on a remis la clim et du coup les alarmes se répondent plus. Donc c'est bon. Normalement, on peut tenir encore une heure ou deux. D'accord, bon. Espérons que le panache soit au-dessus de nous. Ici on voit des petites structures, hein. C'est peut-être le panache, mais ça va nécessiter il va falloir traiter les signaux par la suite pour en être sûr. Quoi. All the observations collected in Réunion Island have made it possible to improve computer models, particularly for the formation of nanoparticles. Several case studies have been simulated to try to reproduce these phenomena. Il y a une variation de la hauteur du panache au fil des heures. Donc la nuit, le panache va subsider et se stocker au niveau de la rivière des Remparts, alors que dès le lever du jour, il va pouvoir atteindre 2000 mètres d'altitude et arriver jusqu'au Maïdo où on a nos instruments. On observe d'abord que la majorité des particules se situent au sein même du panache volcanique. En plus, la nuit, comme ici, on observe de très faibles concentrations sur l'île et dès le lever du soleil, on observe une augmentation très nette du nombre d'aérosols. Cette augmentation, elle s'explique par le fait que la production d'acide sulfurique nécessite de la lumière. Une fois ce gaz produit, il va pouvoir créer des aérosols par nucléation. The nucleation process of sulfuric acid occurs in two steps. The first step is hydration in the gas phase. This process at the molecular level occurs through contact of water molecules with sulfuric acid molecules. The resulting hydrated products will then come together to form aerosol nanoparticles large enough to be stable. Alors finalement, ce type de modèle, il nous aide à mieux comprendre le vieillissement des panaches volcaniques. Et c'est un des objectifs, même l'objectif principal, que s'est fixé la campagne STRAP. In Europe, another large volcano, Etna, is under close observation. STRAP has also made it possible to make new collaborative observations of this volcano between volcanologists and atmospheric physicists. The stakes here are very high due to the population density potentially affected and the air traffic in the Mediterranean.
This volcano and its emanations have conditioned the lives of Sicilians for millennia. At the foot of Etna, the large city of Catania has more than 300,000 inhabitants. Since antiquity, their way of life has adapted by integrating the volcanic risk into their daily lives. The Italian National Geophysical Institute is responsible for the permanent monitoring of Etna. Its role is therefore equivalent to that of the Piton de la Fournaise Observatory. This center, one of the oldest in the world, has become a true institution of world volcanism. It gathers together a real collection of rocks and scientific equipment, retracing the history of European volcanism. We are in the control room of the INGV in Catania. That is the place in which all the signal coming from the sensor distributed on the volcanic area of Sicily, in particular on the Etna. We developed a special kind of radar, the Doppler radar, able to measure the amounts of backscattered signal, so the echo signal of the radar produced by the particle ejected in the plume that are going in atmosphere, forming the volcanic column, and then these are dispersed in the volcanic cloud. This was very useful for to alert the aviation authorities and to avoid also the landing or the takeoff in the airport that are below the ash cloud. During non-eruptive periods, Etna is a volcano that releases large amounts of sulfur dioxide. One of the scientists' objectives here is to verify whether this sulfur dioxide may be a major source of nanoparticles, which could play a significant role in air quality and on the climate. To this end, INGV scientists regularly visit the main crater of Etna to analyze the emissions and chemical compositions of the gases emitted. A system that is a multi-gas, basically it's said a multi-system gas analyzer. It's a system like this one that combines different kinds of instruments in order to be able to measure different species of gases. We do this regularly on the plume, and considering the fact that volcanoes are one of the biggest emitters of gas in the world, you can have also some correlation with the pollution that are dispersed in the atmosphere. Careful preparation is required. A gas mask is compulsory. These expeditions are not without risk. Etna can erupt at any moment. Access to the main summit, at an altitude of more than 3,200 meters, requires a long approach walk and the transport of equipment by people. Most of the geochemical activities performed by INGV Palermo in terms of volcano monitoring are performed at the summit area of Etna, in which we generally collect gases from the fumaroles and from the plume gases emitted directly from the craters. Generally put a tube directly in the soil. We insert this tube at 50 centimeters from the surface, and we connect this stainless steel tube with a series of connections where there is also a syringe that we use generally to suck the gas
directly from the fumarole, and then to move inside the glass or stainless steel bottles, where we generally store the gas, and then move to Palermo to the laboratories for the following measurements. This is important for us. We collect generally one per month or two per month, because for noble gases, we know that this frequency of sampling is enough to do not lose any information from magmatic degassing at depth. Fumes from the volcano are sometimes so strong that the air becomes unbreathable despite the gas mask. And the altitude doesn't help. Below the summit crater, Mario Cortelli has set up a permanent eruptive activity monitoring station where the temperature and chemical composition of the plume are measured. Here there are the normal camera to observe the eruptive activity of the Etna. In the other side we have the thermal camera to measure the temperature of the emission, and here there is the UV camera for measure the SO2, and in the back a second UV camera to measure F2. There are different technology. In parallel, scientists at the Magma and Volcanoes Laboratory are field testing new means of observation using a drone to take in situ samples of gases and aerosols directly from the plume closer to the crater. Le projet Volcadrone vise à réaliser des mesures aéroportées par drone, intégrant des capteurs physico-chimiques pour l'analyse gazeuse et particulière de ces panaches. Mesures par drone qui seront couplées à des analyses au sol, à des expérimentations par avion, satellite, de façon à obtenir un cortège complet des moyens d'observation depuis le sol jusqu'à la haute ou très haute atmosphère. Nous, on vise vraiment à réaliser des mesures in situ, donc au voisinage immédiat de l'événement éruptif, de façon à fournir des paramètres d'entrée ensuite au modèle de dispersion des panaches ou au modèle d'évolution en termes de composition chimique des panaches volcaniques. Un défi, c'est d'être capable de contrôler le moment auquel on échantillonne, donc d'avoir des collecteurs qui sont propres et qui vont juste collecter dans certaines zones des panaches. Et aussi de pouvoir collecter en même temps des particules de différentes tailles. Donc au cours d'un même vol, de récolter à la fois des particules d'une centaine de microns et des particules beaucoup plus fines. On the physical side of the atmosphere, scientists from Météo France in Toulouse and the Physical Meteorology Laboratory in Clermont-Ferrand have deployed a vast array of observation instruments aboard an ATR-42. This aircraft is part of a French fleet dedicated to atmospheric research operated by the Sapphire Service Unit. On the tarmac at Catania Airport, scientists are actively preparing their instruments for the next flight. Donc on voit ici le plan de vol qu'on a fait ce matin, où on a fait plusieurs tours de l'Etna, et après on a fait une exploration du Parnache avec des transects transversaux et deux transects longitudinaux pour savoir quelle était à la fois son amplitude en largeur et la façon dont il se dispersait en hauteur. Et après on est rentré à Catane tout ici. Quelque chose qui nous intéresse, nous, à la météo particulièrement, c'est l'activité hygroscopique. Donc savoir si ces aérosols sont aptes à devenir des noyaux de condensation nuageuse. Donc en fait, on simule dans un instrument
les phénomènes qui permettent aux aérosols de devenir des gouttelettes d'eau nuageuse. Le PTRMS, c'est un instrument qui regarde les composés organiques volatiles. Et donc c'est tout ce qui est gazeux dans les conditions normales de température et de pression. Alors d'un volcan, on n'en attend pas beaucoup de cela, mais il y a également d'autres paramètres gazeux, notamment le dioxyde de soufre, qui lui est un gaz majoritairement émis dans le panache volcanique. Donc ça va nous permettre de bien tracer le panache volcanique. Et puis on regarde aussi le formaldéhyde, c'est un autre polluant gazeux, et d'autres comme l'ozone, le monoxyde de carbone, les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le méthane. C'est l'ensemble de ces composés gazeux qu'on surveille et qui sont enregistrés en continu à bord de l'avion. All the aircraft measurements are then processed in the laboratory. Back in Clermont-Ferrand at the Physical Meteorology Laboratory at OPGC, Aurélie Combe analyzes the chemical composition of the plumes using spectroscopy. Nous, là, les atmosphériciens, on intervient parce qu'on veut suivre l'évolution du panache et que deviennent ces polluants émis par le volcan au cours du transport. Donc, par exemple, le gaz, le dioxyde de soufre, au cours du transport, eh bien, il peut évoluer. Et gaz plus gaz, eh bien, ça peut former des nouvelles particules. Et c'est ça qu'on va aller étudier. Et ces petites particules, elles peuvent aussi grossir. Et donc, on va regarder dans le panache l'évolution de cette taille de particules au sein du panache. Dans le deuxième graphique, on voit les augmentations de SO2, ou le dioxyde de soufre, dans le panache. On voit qu'il corrèle très bien avec l'augmentation de particules fines. Et le dernier graphe, ça montre les distances depuis le volcan. On va essayer d'intégrer toutes ces informations dans un modèle de chimie transport pour, in fine, mieux comprendre la formation de ces petites particules d'aérosol dans un panache volcanique, la formation des nuages et voir l'impact sur le climat et sur la météorologie au niveau global. Back at Lacey, at the University of Réunion Island, the first computer simulations of Etna's plume are in progress. Donc je m'intéresse aux volcans de l'Etna et du Stromboli qui ont été observés par l'ATER 42 le 15 et 16 juin 2016 par l'équipe Saphir. On voit en altitude un panache qui se propage plutôt vers le nord-ouest et dans les basses couches un panache qui se sépare par rapport au panache d'altitude et qui va plutôt se propager vers le nord-est. Et qui va rencontrer le panache du Stromboli. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à reproduire par la simulation et qu'on observe grâce aux données de dioxyde de soufre qui viennent de la Terre 42. 3 years after its launch, the STRAP program is coming to an end. During a visit to the MIDO observatory, Pierre, Andrea and Marco discuss the main results of STRAP and consider the follow-up of this new and fruitful scientific collaboration. Integrating disciplines, exactly. Different disciplines, is important to improve the comprehension of what is going on from the volcanic vents up to the atmosphere and yes. How far you are from the vents and what is changing the oxidation of the species, so the effect of aerosol and sun.
so it could be interesting. These two volcanoes are very different in terms of emission of gas, but if the method is able to compare in any case this aerosol and the flux and estimate the mass, it's very interesting. Could be a nice way to join our efforts in order to understand. C'est tout l'objet de STRAP finalement de travailler ensemble, vraiment pour peut-être la première fois on a vraiment quelque chose de très transdisciplinaire entre vraiment le monde de la volcanologie et puis le monde de la physico-chimie de l'atmosphère. The STRAP program is probably one of the first whose measurements have made it possible to accurately monitor the development of several types of volcanic plumes over tens of kilometers after their emission. It required a considerable investment, both human and scientific. It represents several years of interdisciplinary collaboration between volcanologists and atmospheric physicists sharing scientific methods and objectives. It opens up fantastic opportunities for understanding and the prediction of volcanic risk.